plutôt porteur, en fait, sérieux. Puis oui, je voulais aller ailleurs, faire quelque chose de différent. Puis en même temps, quand tu fais un film, c'est tellement une longue entreprise. La pression, enfin, moi, il y a des pressions quotidiennes. Il faut arriver à faire ça aujourd'hui, il faut arriver à faire ça. Mais une pression comme de l'extérieur, mettons, du public ou médiatique, ça, je la sens pas. C'est comme dans un autre monde, c'est dans longtemps, ça, quand je tourne. C'est comme dans 2 ans, ça sortira, puis on se fera critiquer ou pas. T'sais. Ce que ça fait, c'est que, ben, premièrement, ça finit par me ressembler un petit peu plus. C'est un film, je dirais que c'est un film qui me ressemble un peu plus que Babine. Puis aussi, quand j'écris, mais moi, ça me force, en écrivant, à le voir, le film, dans ma tête. Quand j'ai écrit l'audition, c'était ça, le film, je l'avais tout dans ma tête, j'avais tout écrit. Ça m'a peut-être manqué un peu sur Babine. Puis là, ben, je me suis assis, puis j'ai vraiment passé à travers le scénario. J'ai écrit. Puis ça a fait que très tôt dans le processus, les images ont commencé à naître dans ma tête. Ben, c'est toujours un petit stress, surtout que nous autres, on tournait des scènes où, en principe, le jardin ne marche pas parce qu'il pleut pas. Fait que j'ai commencé à penser, d'un coup, il pleut tout le temps. Je me suis dit, bon, ben, une fois, je me revire de bord puis que le jardin ne fonctionne pas parce qu'il est inondé. Puis j'avais commencé à préparer dans ma tête déjà des scènes. Fait que c'était un stress. À tous les jours, tu fais, s'il vous plaît. Mais on était bénis des dieux. Il faisait tout le temps beau. Tout le temps, tout le temps. C'est magnifique. Oui, c'est comme plus une fête de retrouver la gang, je te dirais. Puis ce sens, la petite communauté, une petite troupe, ça faisait un peu théâtre, comme une troupe de théâtre. Puis en même temps, j'ai dit à tout le monde, faisons attention de ne pas être trop confortable dans nos personnages, de retrouver le même déséquilibre qu'on avait la première fois, puis de ne pas avoir peur d'aller ailleurs un peu aussi.